bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui sera consacrée à la présentation du CAN Bus Shield de chez Seed Studio. En premier lieu, il faut dire un mot sur le bus CAN. Bus CAN ou Controller Area Network, c'est un système de communication en temps réel par liaison série conçu pour relier des composants intelligents ainsi que des capteurs et des actionneurs dans une machine ou un procédé industriel. Il a été initialement conçu pour l'industrie automobile afin de répondre aux besoins de communication interne du véhicule. Le Shield CAN Bus se présente comme ceci. Il est adapté aux cartes Arduino Uno, Mega et Leonardo. Il est construit autour du circuit intégré MCP 2515, qui est le circuit de contrôle CAN Bus et qui communique en SPI avec la carte Arduino. Il utilise aussi le MCP 2551 comme CAN transceiver ou interface de ligne avec le réseau CAN. Ce shield permet à une carte Arduino de communiquer grâce à la norme OBD2 avec les véhicules qui intègrent cette technologie. Pour information, OBD veut dire Onboard Diagnostic et qui est une norme qui permet d'extraire des données télémétriques et des diagnostics depuis le calculateur du véhicule. Le shield permet la connexion avec le véhicule via un câble OBD2 DB9 et qui se connecte ici. Le shield dispose aussi d'un switch à ce niveau qui permet de choisir d'utiliser la liaison OBD2 comme source de courant. Il dispose aussi de deux connecteurs Groove, l'un pour la liaison série et le deuxième utilise le protocole E2C. Pour finir, le shield dispose à ce niveau des connecteurs pour pouvoir établir la connexion avec le réseau BusCAN. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation du shield CAN Bus. Dans nos prochaines vidéos, nous allons explorer plus en détail les possibilités qu'offre ce shield. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà le cas. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.